Alors on va prendre la direction. Donc bonsoir Maëlys Septembre. Maëlys, la question n'est pas nouvelle, mais la tension est montée d'un cran du côté de Boris Johnson. Oui, exactement. Ce que les Britanniques reprochent une nouvelle fois aux Français, c'est toujours de ne pas en faire assez pour empêcher les migrants d'atteindre leurs côtes. Et cette semaine, la tension est encore montée d'un cran. Échange d'amabilité entre les deux côtés de la Manche et même pression des Britanniques. Ils menacent désormais de couper les subventions à la France. 63 millions d'euros promis par Londres en juillet pour financer les contrôles côté français. Cette fois, les Britanniques pose des objectifs chiffrés. Si les Français n'interceptent pas les trois quarts des départs, eh bien, le Royaume-Uni coupera les vannes. Et ça ne plaît pas du tout à la France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a tout simplement répondu que la France n'accepterait aucun chantage. Vous le voyez, la bataille de la Manche autour des migrants est loin d'être terminée. Merci Maëlys.